D'accord, très bien. Donc, nous avons les participants et les panélistes. Donc, j'aimerais passer la parole maintenant à Erika qui va donc nous lancer dans cette séance et puis nous allons passer donc aux autres points donc, sur notre ordre du jour. Je vous remercie beaucoup, Marie. Merci beaucoup à vous tous hein, qui viennent de nous joindre aujourd'hui. Donc, c'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette séance informative et importante qui est organisée en collaboration avec le CSG, donc la plateforme avec l'appui du département donc, des CSG du Fonds mondial. Récemment, au niveau de la ville de New York, nous avons lancé donc un tour du Fonds mondial pour essayer donc de l'argent additionnel hein, pour donc s'assurer que, et comme on a vu dans la réunion du conseil d'administration, voir comment nous pouvons donc remettre à niveau donc à ces fonds. Et puis, nous avons donc un nouveau modèle TMF. NFM4, donc pour les communautés. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous rassurer que si vous avez des questions à poser, vous pouvez donc les poser aux panélistes. Donc nous avons des bons panélistes pour vous parler pour Gate. Nous avons donc vraiment le plaisir de pouvoir donc travailler en collaboration avec nos partenaires. Donc, Marie, à vous la parole. Merci, merci beaucoup, Eric. Donc, comme on l'a dit, comme webinaire, c'est sur donc le nouveau modèle de financement qui a été donc lancé par le Fonds mondial. Donc nous avons une stratégie pour atteindre les communautés et les individus qui travaillent donc autour donc de VIH, SIDA, donc TB, paludisme d'ici 2030. Donc nous allons voir comment donc pouvoir cibler les populations vulnérables donc des processus de prise de décision et la supervision des activités au niveau de la communauté. Donc, dans ces webinaires, nous allons essayer de partager les stratégies sur comment nous pouvons traiter donc les questions de pratique et des politiques et les partenariats avec entre la communauté civile, société civile et les communautés. Donc, nous avons à travailler autour des droits de l'homme. Et comme Eric avait dit, nous avons des partenaires de CS et plateformes donc des groupes de femmes, VIH/SIDA. Tout ça, on va parler donc des opportunités donc clés et les points d'entrée donc pour VIH/SIDA, donc paludisme et tuberculose. Si vous avez besoin donc d'interprétation, vous pouvez cliquer au niveau donc du icône globe au-dessus de votre écran et c'est là où vous pouvez choisir votre langue. Nous avons aussi donc nous allons désactiver donc le volet chat. Donc, si vous avez une question, vous allez marquer cela donc, au niveau du le volet questions-réponses. Avec ça, j'aimerais, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment tarder, parce qu'on aimerait laisser suffisamment de temps pour les questions. Donc, je passe la parole maintenant à notre intervenant, première intervenant, ça veut dire Amanda. Amanda, donc, est chargée donc, des programmes au niveau donc, de Fonds mondial, donc l'initiative stratégique, donc elle a 15 ans d'expérience de travail avec les communautés et les populations vulnérables pour engager donc dans tout ce qui est donc du Fonds mondial. Et depuis son arrivée au niveau du Fonds mondial, donc elle a travaillé autour donc de la santé sexuelle régionale intersexe et autres groupes. Donc elle a étudié donc elle a travaillé avec ça s'en fout bien. Il a donc beaucoup de connaissances autour donc des conseils autour donc des maladies. Elle s'est très bien documentée donc la programmation donc basée sur l'évidence pour les populations clés et vulnérables parmi d'autres populations. Et avec ça donc je suis vraiment contente de passer à Amanda la parole. Nous avons ouvert terminer une formation au niveau de Nairobi pour nos partenaires. Et il y a certains parmi eux qui seraient avec nous aujourd'hui. Donc, Amanda, à vous la parole.
Je n'avais pas activé mon microphone, donc c'est vrai que j'étais en Nairobi la semaine dernière. Donc, je vais partager mon diapo. Il y a certains points donc, que j'aimerais partager avec vous tous en termes donc, de ce qu'on pourrait considérer comme les aspects clés pour notre programme. Donc, ici, nous avons donc trois choses à partager avec vous, quatre choses que je vais donc mettre en évidence. Et puis, si vous avez quelque chose que vous aimeriez comprendre davantage, je pense que ça pourrait vous être très bien parce que nous sommes en train donc de travailler autour des plaidoyers. Donc, nous avons donc des nouvelles choses, des nouveautés de processus NFM 4 que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vais parler donc des essentiels du programme, tout d'abord, et puis l'engagement avec les communautés, donc les attentes minimales en matière donc d'engagement communautaire, et puis la matrice autour donc de l'engagement de communauté. Et puis, il y a des choses que nous pouvons donc utiliser tout en entreprenant ce processus. Je vais aussi parler de la matrice de genre et la question donc des coûts. Avant ça, donc, quelques points clés. Donc, nous avons les délais. Et je pense que beaucoup de pays aimeraient. Nous sommes donc au niveau du quatrième trimestre 2022 et beaucoup de pays aimeraient recevoir leur lettre d'allocation avant Noël. Donc, avant la fin de la semaine prochaine, je pense que beaucoup, la majorité des pays, donc, vont recevoir donc les lettres d'allocation, montrant donc les montants qu'ils ont donc du Fonds mondial. Et après ça, donc, trimestre, première, deuxième et troisième trimestre, les pays vont donc préparer la discussion autour du paludisme et tuberculose. Donc, nous avons un délai à l'objet du calendrier et je vais mettre ça en évidence en présentant ce processus. Voilà, donc ici, nous avons des choses qu'on doit faire pour finaliser le processus. Donc, quand on parle des demandes de financement, il n'y a pas eu de changement, mais il y a donc la mise en œuvre des subventions et la supervision de la mise en œuvre. Et je pense que la plupart de vous ont déjà commencé donc à engager donc, à la création, à la revue donc, des stratégies nationales pour VIH, tuberculose et paludisme. Donc, le processus de demande va commencer à travers donc, les dialogues à pays. C'est vrai que ceci a déjà commencé au niveau de certains pays. Donc, des réunions hein, qui vous êtes en train de préparer pour voir que vous avez donc la haute transmission des demandes. Attends, donc, vous avez les reviews qui seront donc entreprises. Les reviews, l'approbation et la signature donc de ces subventions. Tout cela juste pour vous donner un petit aperçu. Et si ça résume hein, le processus, c'est que la plupart de vous comprennent très bien ce cycle. Donc, quels sont donc les aspects nouveaux, quoi de neuf donc, dans le processus NFM 4? Je vais parler de cela donc, dans ces diapos. J'ai parlé des anciens de programme, ça veut dire les points que nous avons rajoutés au programme tout après avoir entendu donc les voix des uns des autres, et donc au niveau de la communauté sur l'inclusion de certaines questions prioritaires dans les demandes de financement, parce que si nous n'avons pas donc cet appui politique, souvent ça devient très difficile de tacler les questions qui sont captées dans les demandes de financement. Donc, c'était l'initiative du Fonds mondial de voir comment ils peuvent comprendre, vu qu'il s'agit d'un processus donc géré par la situation donc sur le terrain au niveau des pays différents. Donc, ici, on montre ce que nous attendons donc à voir dans vos demandes de financement. Ici, donc, comme diapo, nous avons donc les informations donc de la stratégie donc de nous. SIDA, je sais que l'année dernière, hein, il y a pas mal de vous qui ont été impliqués dans l'élaboration de la stratégie sur VIH-SIDA, hépatite et tuberculose. Et nous avons donc un plan mondial pour mettre fin donc, à la tuberculose. Donc, nous avons la stratégie donc, de l'OMS et toutes ces informations liées donc, aux aspects essentiels du programme sont basées sur ce processus. Sur lequel vous avez été donc impliqué
au cours de cette année. Donc, ici, c'est juste pour, nous sommes ici pour vous dire que nous aimerions voir ces choses captées dans votre monde de financement et les droits de l'homme. Donc, genre, il faut avoir des aspects donc, liés à cela dans le programme. Alors, en termes de la performance, le cadre de performance, ici, donc, c'est juste un résumé. C'est vrai qu'on va partager ces diapos avec vous après la séance, mais quand on parle de cadre donc, modulaire, nous avons donc le module VHVH, tuberculose et paludisme, et le module donc RSSH, donc santé sexuelle et reproductive. Donc, nous avons les interventions qui sont donc transversales. Et ici, c'est un exemple donc, de cet module. On a aperçu des modules et intervention du NFM4. Ici, ça vous montre donc les nouveautés donc, en termes de priorité et les domaines donc, de focalisation, surtout le module donc, de VIH-Sida. Ici, ça vous parle de la prévention, le dépistage et les soins. Prise en charge. En termes donc de l'engagement, les engagements donc de la communauté, ici c'est très important. Donc nous avons entendu donc la demande donc des communautés, de la société civile qui disent que vraiment ils engagent dans ce processus, un processus très compliqué. Donc souvent, même si nous avons des priorités qui sont identifiées dans les demandes de financement, c'est toujours une fonction donc, du budget. Quand nous pouvons les adapter, donc la société civile a vraiment poussé pour avoir donc un engagement additionnel donc, au mondial pour capter donc, cette empreinte. Donc, ces attentes minimales, c'est nouveau. Ce n'était pas dans les demandes donc, précédente. Donc, ici, nous parlons d'un document qu'on doit mettre en œuvre par la société au niveau pays, qu'on doit rattacher donc, à la demande donc, de subvention. Et ici, donc, il faut qu'il priorise donc, les interventions auprès de la communauté. Et je pense que nous allons avoir les questions donc, fréquemment posées. Donc, une liste de ce type de questions. Et le département des gens va travailler là-dessus et peut vous donner donc un exemplaire de ces questions fréquemment posées et le processus de priorisation. Donc, ceci, c'est là obligatoire et c'est quelque chose que vous devez soumettre avec la demande de financement. Donc, ici, on dit que nous avons toutes ces interventions par la société civile que nous viennent donc de prioriser. Alors, pourquoi, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas les capter, donc dans votre demande, il faut expliquer. Mais ce n'est pas dire que toute demande que vous allez mettre dans cette annexe sera financée, mais ça vous donne donc l'opportunité à l'équipe de review pour voir, ou l'équipe qui va examiner donc votre demande, de voir s'il y a la justification donc autour de ces interventions que vous allez soulever. Donc ça, c'est très important et l'équipe donc du mondial, donc, s'attend donc à recevoir l'engagement donc appelé de toute la terre, donc, de la communauté. Nous allons donc le marqueur d'égalité des hommes. C'est quelque chose qu'on vient donc d'entretenir et ça doit accompagner toute demande de financement. Donc, l'évaluation autour donc de cette traits de genre comme composante, c'est quelque chose que on va certainement faire et le résultat de cette évaluation des genre doit être priorisé et être inclus dans la demande de financement. Et nous savons très bien que normalement, la question donc des données, les indicateurs, la dissémination des données par sexe et par genre, ce n'est pas quelque chose qui s'avère être très clair par rapport donc à notre demande de financement. C'est comme si c'était une certaine pression donc politique d'essayer vraiment de s'engager les données par genre et par sexe et les indicateurs donc des objectifs et cibles. Autre chose, nous avons aussi la question donc des coûts. Donc, le soutien à l'établissement des coûts a été introduit
contribuer hein, pour aider la communauté, parce que la société civile a dit que c'est vrai que nous avons les priorités, nous les connaissons très bien, mais c'est très difficile, ou c'est très difficile dans les demandes précédentes d'évaluer les coûts, d'établir les cours, donc, des propositions par rapport donc, à ces aspects. Donc, ici, Frontline Aid a été contracté pour développer un guide et un outil d'établissement de coûts. Et ceci sera aussi traduit donc en français, arabe, espagnol, en langue russe. Je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons avoir donc les formations, des formations donc les consultants et les communautés pour comment utiliser cet outil. Et puis nous allons avoir donc une équipe de consultants disponible virtuellement pour appuyer les pays différents, les équipes de pays différents, pour voir comment ils pourraient établir les cours des interventions prioritaires auprès des annexes, donc en provenance de communautés différentes. Donc, nous espérons que, comme tout, ça va nous fournir pas mal de leçons. On va voir hein, comment donc vous allez réagir par rapport donc à l'utilisation donc de cet outil et certainement que votre feedback nous sera très utile parce que nous allons devoir l'adapter et réviser d'ici mars et avril 2023. Donc les messages clés, les populations clés et ce sont des choses que nous aimerions vraiment mettre ou souligner en tant qu'équipe donc du Fonds mondial. Donc la question donc des rédactions des mots faits la question des rédactions de mots clés donc reste donc un essentiel de programme. Et le Fonds mondial aimerait voir cela dans toute demande donc de financement parce que et je l'ai dit que c'est très important de comprendre ces essentiels de programme ou les aspects essentiels de programme. Il faut pousser pour ça et je sais très bien que ce n'est pas facile comme processus, mais tous les pays doivent d'écrire donc le statut donc de ces aspects pour et planifier donc pour la mise en œuvre. Donc pour ceux qui utilisent les drogues, ce n'est pas juste les personnes qui utilisent et qui injectent des drogues. Ce sont donc les partenaires essentiels. Donc il faut vraiment qu'on intègre cet aspect de réduction des méfaits et la question de protection. Les droits de l'homme, donc les droits de l'homme s'avèrent donc un aspect à intégrer en termes de protection des droits de l'homme et la service donc de lutte contre le VIH, la tuberculose et les menaces dans les soins de santé et d'autres contextes. Il y a donc la question de décriminalisation de ces aspects et le plaidoyer dirigé par la communauté sur la décriminalité et d'autres changements de politique. Il y a aussi la question donc, de surveillance et accent sur la surveillance, surtout quand on parle donc comment ceci joue un rôle très important. Donc, il y a aussi la clarté. Et merci. Donc, on a considéré donc la statue. La condition donc doit être considérée. Donc nous avons certains donc messages clés. Tout ça pour vous montrer donc les interventions pour les populations clés et leurs partenaires sexuels éligibles à un financement dans le prochain cycle de financement. Donc sont les aspects des préservatifs et lubrifiants, PrEP en particulier, événements de communication sur la prévention de VIH et création de la demande, l'autonomisation de la communauté et les services donc nécessaires, y compris donc les soins donc informatifs de genre, soins de santé anale, PF, soins post-violence, entre autres, et puis les interventions visant donc à supprimer les obstacles liés aux droits de l'homme. Et les interventions, donc, des réductions des risques, tout ça doit être priorisé dans les commandes de financement. Donc, nous avons aussi à se focaliser sur la fixation des cibles et beaucoup de ces interventions. Donc, vous allez voir, et pour vous hein, qui sont familiers donc, au module donc, que nous avons, nous avons les interventions et les cibles et l'impact.
Et je l'ai dit, quand il parlait de jaune, le marquage jaune, que beaucoup de ces aspects doivent être captés, mais d'une manière désagrégée. Je pense qu'un aspect très important aussi, c'est l'aspect de leadership communautaire. Donc, l'accent a été renouvelé sur le leadership et la participation des populations clés à la planification. Et ceci donc, et que le leadership communautaire est clair et l'aspect donc d'intersectionnalité reste très important. Donc, il faut voir comment vous pouvez donc considérer donc les questions de vulnérabilité donc multiples des communautés vulnérables et voir comment vous pouvez mener les interventions qui vont prendre en compte l'aspect d'intersectionnalité. La sûreté et la sécurité, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit considérer et inclure dans vos programmes, donc les besoins sécuritaires, dans la conception du programme. Et il faut vraiment avoir un message clair qu'il ne faut pas juste le modèle de financer. Il faut que ceci, l'aspect de sécurité soit capté dans la proposition. Ici, nous avons juste un exemple des priorités, programmation donc prioritaire. Ici, nous avons donc les prisons et dans d'autres, donc, droits clauses. Donc, ici, nous avons les priorités. Ce que vous pouvez considérer comme mauvais ou nocif et non financé. Donc, nous avons, par exemple, la programmation d'agui et des syringes restées dans la zone. Nous avons les préservatifs et le dépistage et traitement volontaire et avec consentement et confidentialité. Et surtout pour ceux qui sont exposés donc au risque de VHCD, excusez-moi. Et puis, nous avons donc les thérapies donc, préventives et le traitement pour ceux qui ont donc les infections actives, la réduction de stigmatisation dans les services donc, de santé les plus doués. Donc, il y a les lois et les politiques. Et donc, vraiment, on voyait un message fort en disant que la question de l'abstinence, donc, et la punition, donc, les dépistages forcés, prêts par une volontaire, isolement des personnes atteintes, tout autre donc, traitement cruel, dégradant ou discrimination, déni des traitements fondés sur le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Donc, et toutes les activités donc centre de traitement obligatoire. Et le Fonds mondial donc a dit clairement que nous n'allons pas tolérer ce type donc d'intervention et certainement qu'on ne va pas les financer. Et ces points en rouge là donc ne doivent pas figurer dans votre demande de financement. Donc on va maintenant, ouvrir la séance pour voir si vous avez des questions pour nous. Donc là, donc je vais m'arrêter. Je pense que vous avez parlé des nouveautés dans ce programme. Mais si vous avez besoin d'informations additionnelles, vous pouvez toujours nous contacter. Donc voilà, nous avons des informations utiles qui vous seraient pertinentes. À vous la parole, Marie, et merci beaucoup pour votre amiable attention. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup, Amanda. Donc, j'ai envoyé donc le lien d'enregistrement au niveau donc du webinaire. S'il y a quelqu'un qui aimerait s'inscrire pour donc le webinaire, vous pouvez vous inscrire. Ce serait le webinaire sur l'établissement de cours. Et ça sera disponible en anglais, français et en espagnol. Voilà. C'est très intéressant. Oui, ça sera traduit aussi comme webinaire. Ça sera en anglais, français et en espagnol. Et puis, nous avons une question d'un panéliste. Il dit que la marque est là dans le chat, donc il dit que dans le rapport
de Nations Unies sur l'obésité et ils ont parlé donc des populations délaissées dans la programmation obésité, tuberculose. Donc, quand on parle de Fonds mondial, c'est comme si ces communautés n'ont pas été priorisées. Est-ce qu'il y a raison pour cette tendance? Merci beaucoup. Activez votre microphone. Excusez-moi. Oui, merci. Merci Maureen pour cette question. Donc, j'ai donc une diapo qui montre donc les directives techniques et des documents donc qui viendront bientôt donc ou qui seront donc publiés par le Fonds mondial. Et ce sont des documents qui contiennent beaucoup d'informations sur des nouveautés et donc un de ces documents, cet aspect super, donc très bien à capter comme une priorité. Merci beaucoup. Merci. Et donc avec ça, je vais maintenant donc présenter notre intervenant suivant. Ça veut dire Anouar Luna, donc il est consultant indépendant dans tout ce qui est donc VIH/SIDA. Discrimination, orientation sexuelle et le développement organisationnel pour la société civile. Alors, il est une traduction donc anglais en espagnol. Il a donc les manuels de formation et il y a les documents donc stratégiques sur les 6 dernières années. Il était donc consultant donc à USAID sur la discrimination. Entre autres sujets, donc à Noir, en tant que consultant, donc il travaille avec l'Alliance donc de VIH/SIDA, l'Alliance mondiale. Il travaille autour donc de composantes différentes sur le VIH/SIDA. Donc il est consultant pour International Plan Federation pour la mise en œuvre du programme donc pour les gens qui vivent avec le VIH/SIDA. Entre autres donc en tant que consultant principal du programme donc à Anders au niveau du Mexique, l'Autonomous University of Mexico, le ministère de l'Éducation. Il a fourni donc les conseils techniques et a publié donc les livrets pour les écoles sur les sujets. Donc il va parler donc des opportunités donc disponibles et les ressources. À vous la parole, Anouar. Effectivez votre microphone. Merci. Excusez-moi pour la longue introduction biographique. Ce que je vais partager avec vous, c'est l'expérience donc de la plateforme LAT comme une des composantes de l'engagement communautaire des initiatives donc stratégiques du Fonds mondial. Je suis le coordinateur technique donc au niveau de cette plateforme-là. Et ce que je vais partager avec vous maintenant, ce matin, ce que nous sommes en train de faire actuellement pour fournir donc l'appui à ces processus donc de demande de financement, surtout quand on parle donc de demande pour l'appui ou la composante donc assistance technique dans l'engagement donc des communautés. Voilà donc l'expérience que nous avons déjà obtenue jusque-là, ça veut dire que nous sommes au niveau donc de premier tour de financement et comme elle vient de le dire, dans ce nouveau modèle, la participation des communautés reste cruciale. Et une des choses qu'on doit s'assurer que la communauté participe, c'est de fournir donc l'appui technique pour les permettre d'organiser donc les processus précédents dans le dialogue. Alors, première composante de cela, c'est la question du service, l'appui technique. Nous avons donc ce qu'on appelle l'évaluation rapide des besoins et les consultations. Et l'autre, c'est la question donc des processus d'établissement des coûts. Et vous avez entendu parler des questions de coûts. Nous allons vous fournir davantage d'informations sur ce point au cours de cette semaine. Amanda vient de le dire que nous, pour ce nouveau modèle, donc nous avons certains aspects prioritaires obligatoires, donc la contribution de communauté, l'engagement de communauté au niveau stratégique, et tout ça pour s'assurer que vraiment ceci est fait.
Nous travaillons d'après donc les tours ou les cycles donc de financement. Donc première tour, nous avons six pays au niveau de l'Amérique latine, donc Paraguay, Venezuela, Cuba, Chili. Et je vais partager avec vous donc les leçons donc à tirer de ces processus de la campagne auprès des communautés au niveau de ces pays. Alors, pour tout processus, ça doit commencer avec la communication avec le chargé de projet au niveau des équipes pays. Je sais que nous allons faire la présentation donc avant donc qu'on lance les cycles différents. Donc nous avons à s'assurer que le pays va pouvoir donc postuler ou demander donc le financement au cours dans ces cycle donc de financement. Donc il faut parler donc au chargé de portefeuille et de programme et puis demander à cette personne donc de faciliter la communication avec la communauté, surtout avec les CCM, les communautés CCM, tout ça pour voir s'ils peuvent appuyer ou informer ce groupe comment ils peuvent donc s'impliquer et qui est éligible, donc éligible dans ce processus. Ce qu'on demande donc au CCM, c'est de voir comment ils peuvent organiser les séances d'information avec toutes parties prenantes impliquées dans ce processus, surtout avec les parties prenantes en provenance de la communauté ou des communautés. Nous allons comme ça les parler du nouveau modèle et l'engagement de la communauté et on va aussi expliquer les opportunités disponibles pour tout qui est donc appui technique. Et dans ces réunions, donc, on parle des processus d'élection, de composantes qu'ils aimeraient donc appliquer pour tout ce qui est donc technique. Et nous appuyons aussi donc le processus de choix d'une organisation qui va présenter donc la demande pour l'appui technique. Après avoir donc communiqué l'adhésion, en parlant de composantes que le pays est concerné va choisir et l'organisation qui va présenter donc ses demandes pour l'appui technique. Nous commençons donc à préparer la demande. Bonsoir. Et ceci se fait au niveau donc de ces réunions dont je viens de vous parler. Et dans la réunion, nous expliquons tout le processus. Mais nous mettons aussi l'accent sur l'importance et la pertinence d'organiser des processus qui sont collaboratifs, des processus qui éviteraient la participation de tout le monde. Et tout en rassemblant donc à toutes les informations de ces processus en un seul donc endroit donc par exemple ONU SIDA donc a fourni donc l'appui technique et nous recommandons fortement que tout aspect lié donc à ce processus soit rassemblé. Autre chose que nous sommes en train de faire par rapport à la collaboration, c'est de garder un niveau de communication forte avec le fournisseur de l'appui technique. Nous sommes en train d'informer la communauté sur le processus. Mais certainement que nous avons donc les informations qui relèvent donc du contexte pays. Alors, c'est très important que pendant le transfert de cette demande pour l'appui technique et le processus d'élection, dont les initiatives donc stratégiques, la demande de communauté, donc la communication doit rester vraiment forte. Une forte donc forme de communication, donc toute information que nous allons recueillir des réunions seront donc échangées et partagées. Et il faut qu'on essaie d'identifier donc les domaines de collaboration avec le fournisseur donc des services ou de l'appui technique. Par exemple, si c'est pour l'Amérique latine, nous avons organisé donc un webinaire avec l'équipe de consultants. Les sélectionnés pour les pays différents dans cette zone, donc l'Amérique latine. Donc, on donne une séance d'orientation, on explique comment ils peuvent
Donc, en consultant, on peut prendre leur travail de consultation et on les donne donc les méthodologies spécifiques pour les permettre de faciliter le processus de travail une fois qu'ils seront donc sur terrain. Et autre chose que nous sommes en train de faire donc, autour de ce processus de faciliter la communication sur l'utilisation donc de l'outil de l'établissement des coûts et nous allons traduire cet outil en espagnol. Et c'est vrai que nous pensons que ce processus de collaboration avec le fournisseur de services vraiment reste essentiel dans ce processus. Autre chose que nous sommes en train de considérer, c'est de comprendre que nous avons donc un processus donc de soumettre donc la demande pour l'appui technique. Il s'agit d'un processus technique qui exige beaucoup de coordination entre les membres de la communauté et les acteurs clés. Et nous recommandons fortement que la communication avec les équipes pays et la direction du Fonds mondial de différentes donc, régions vraiment soit établie pour améliorer la communication et la compréhension, la bonne compréhension du contexte pays. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir donc bien formuler les demandes pour les subventions. Donc, on recommande que ceci vraiment soit fait. Finalement, je vais voir si j'ai autre chose que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est tout, hein? C'est tout pour le moment. L'expérience donc avec ce processus, c'est un processus donc que vraiment exige une forte collaboration. Donc, vous pouvez poser au niveau des plateformes différentes, donc d'après votre région, si vous pouvez donc obtenir l'appui. Et c'est très important. Vous pouvez contacter les plateformes donc spécifiques au pays, au niveau donc de l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Asie Pacifique aussi, au niveau de l'Amérique latine, pour voir comment vous pouvez donc obtenir l'appui que vous pouvez demander pendant la préparation donc de ces demandes. Donc l'appui technique vraiment reste très important. Donc, il faut pouvoir solliciter cet appui-là. C'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre amiable attention et de m'avoir permis de partager ces informations. Merci. Merci beaucoup, Anouar. Merci beaucoup, Anouar. Certainement qu'on va vous poser la question vers la fin. Il y a notre panéliste, donc je vais partager sa présentation. Donc, ici, nous allons parler donc des informations donc, sur VIH-Sida. Et ici, j'ai donc le lien que je viens de vous envoyer qui parle donc de la période d'allocation donc de 2023-2025. Donc, notre intervenant suivant, c'est Maureen Mouringa. Bonjour à tous. Allez-y, Maureen. Allez-y, allez-y. Vous pouvez intervenir. En attendant la projection de ma présentation, j'aimerais donc remercier tout le monde qui a participé à cette séance critique importante et la session dans laquelle nous allons parler d'opportunités que nous avons. Moi, je vais me focaliser sur le tuberculose au niveau donc de ce quatrième donc NFM4. Donc, quand on parle de représentants donc de la communauté et ceux qui aimeraient donc engager dans ce processus, je pense que comme présentation, je pense que il faut noter vraiment que c'est un moment très critique. J'essaie de mon côté de voir si je peux projeter ma présentation. Vous voyez ma présentation maintenant? Oui.
Très bien, on va parler donc de comment nous pouvons activer donc les communautés donc activées pour le cycle de subvention NFM4. Donc, ce séminaire, hein, à ce que nous avons au niveau donc des malariens, donc ce séminaire revient à accident, et même si donc la focalisation était sur la clause et même des processus, je pense que ça travaille ou ça marche pour les trois donc domaines. Alors, il faut qu'on s'apprête pour NFM 4, donc le cycle, quatrième cycle, donc NFM. Donc, il ne faut pas attendre tant qu'opportunité pour les lettres d'allocation. C'est vrai que les lettres viendront, mais il faut préparer. Et pour se préparer, excusez-moi, donc il faut identifier vos alliances au niveau des programmes nationaux, donc des VH, des clauses et pas le business. Mais quels sont vos alliés dans ce processus et programmation clé? Souvent, le gouvernement donc ont beaucoup de pouvoir hein, quant aux décisions qu'ils vont prendre sur qui va profiter donc de ces financements ou pas. Donc, il faut avoir beaucoup d'alliés qui vont vous permettre donc d'être connus et comme ça, vous avez des programmes donc du VIH, du paludisme, du tuberculose au niveau de vos pays. Et c'est autour de ce groupe-là qu'il faut identifier vos alliés. La société civile, normalement, sont écartés quand on prend les décisions de financement. Donc, si vous ne pouvez pas financer un représentant pour participer dans ces séances de prise de décision, alors vous serez écartés. Alors, il faut identifier parmi les participants, donc vos alliés qui vont et les personnes qui vont parler, donc vos communautés. Alors, parmi les parties prenantes, donc, il faut aussi identifier les gens qui appuient. Les communautés, si vous provenez donc du programme VIH, SIDA, tuberculose et paludisme, il faut identifier donc les champions et les alliés là-dedans qui vont présenter vos occupations. Donc, quand on parle de ce comité CCM, nous avons toutes les parties prenantes, y compris donc les bailleurs. Et donc, il faut avoir les représentants de communauté de chaque groupe et même le représentant de VIH pourrait être le champion pour le tuberculose. Donc, il faut voir comment vous pouvez associer et identifier les champions qui vont donc parler à votre nom, en votre nom pour pouvoir donc chercher les ressources. C'est vrai que les partenaires techniques disposent des ressources. Donc, au niveau du système ou même en dehors, il faut identifier qui financerait donc, les processus donc, et la participation de la société civile. Et il faut aussi planifier votre participation au CPIC, donc NFM4. Il faut vraiment qu'on arrive à obtenir certains outils qui vont nous aider dans ce processus. Donc, quand on parle des revues, donc à moyen terme des programmes, donc nous avons donc les plans stratégiques nationaux, excusez-moi. Donc, il faut voir où sont-ils par rapport à cette question, donc des plans stratégiques. Est-ce qu'ils ont donc des revues, donc des questions de genre. La détermination donc des cycles de soumission. Est-ce qu'il y a donc des stratégies hein, fortes qui se focalisent sur les droits de l'homme et l'engagement de la communauté, l'égalité des gens? Il y a aussi ce qu'on appelle le Stop TB Partnership et autres. Il faut savoir si votre pays dispose donc d'une déclaration sur les gens et les droits de l'homme. C'est si va vous aider pour donc être priorisé dans la programmation. Il y a aussi les données liées donc à tuberculose. Donc, il faut rassembler tous ces documents pour vous permettre donc d'élaborer un certain argumentaire pour vous permettre de combler donc les lacunes identifiées. Nous avons cette étape dans le processus donc des demandes de financement, cette critique connaissent donc ces processus et comme ça nous allons nous apprêter à engager. Parce que si vous n'êtes pas dans la table donc des négociations, il faut vous poser la question, qui va nous représenter? Certainement que nous allons recevoir une lettre d'allocation. Mais nous allons avoir donc des financements donc pour TB, donc
VIH, le paludisme. Mais si vous voyez donc la question de 8% pour tuberculose, est-ce que nous pouvons avoir une conversation là-dessus parce que nous avons des situations au niveau donc du domaine donc de VIH, SIDA, qui concernent les thérapies, les prévention, des soins, des tuberculose, etc. Donc, il faut connaître les allocations qui concernent le tuberculose, nous avons les droits de l'homme, nous avons aussi les subventions sur l'égalité des genres. Il faut être représenté dans tous ces volets de financement. Donc, même chose pour le paludisme, au-delà de considérer donc l'allocation pour le paludisme, il faut voir par exemple si nous avons donc les questions ou les fonds pour le renforcement des systèmes et la résilience. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose pour nous et pour nos besoins? Il y a aussi la question donc, de s'associer donc, au groupe de travail de ce comité. Il faut être représenté ici dans l'évaluation, les feuilles de route et donc tout demande pour l'appui technique. Il faut s'assurer que nous avons donc un expert, un fournisseur donc des services puis technique qui pourrait travailler donc avec nous pour toute demande pour l'appui technique et certainement que nous avons le site web donc du Fonds mondial où il parle de ces experts donc en matière de l'appui technique. Donc, il faut postuler, postuler, postuler. Il faut que les propositions qu'on va se mettre en mouvement reflètent nos besoins, tout en répondant à ces épidémies. Il faut être impliqué dans les dialogues pays et dans toute activité donc liée à l'élaboration de la feuille de route. Il faut être inclus dans la budgétisation au cours donc des dialogues pays. Si nous avons une allocation, un budget pour les dialogues, à part donc les dialogues pays, il faut insister qu'on soit inclus dans ce dialogue spécifique aux maladies respectives. Donc, il faut aussi planifier et travailler avec des organisations qui sont en train donc, de travailler donc, dans l'élaboration de la feuille de route. Il faut, par rapport donc à l'engagement de la communauté, les dialogues à pays, les CCM donc, doivent répondre à ces exigences d'éligibilité, ça veut dire une attentes-là. C'est la question donc, comment on est lié donc, à ces populations clés. Donc, nous avons les instructions pour NFMA. 4, qui demande donc deux annexes additionnelles, ça veut dire les priorités pour la demande de financement et puis les points à inclure dans la demande et puis l'annexe donc sur les narratives de la participation donc des groupes spécifiques au niveau donc interlocuteurs. Et ces deux sont vraiment importantes comme annexe, parce que il faut vraiment s'assurer qu'on est rattaché à nos demandes pour poursuivre donc le mandat d'inclusion. Il n'y a pas de priorité spécifique aux maladies. C'est pour ça que nous avons donc ce webinaire pour VIH, tuberculose et paludisme. Parce que si on travaille en collaboration, en tant que communauté affectée, ce sera beaucoup mieux et nous serons beaucoup plus forts. En parlant toujours de l'engagement, il faut voir comment nous pouvons s'assurer que nous avons généré donc suffisamment d'informations sur donc VIH, TB, TB et paludisme. Donc tout ça pour s'assurer que nous avons donc les représentants donc de chaque domaine. Ça veut dire pour nous qui travaillons au niveau donc de tuberculose, il faut s'associer avec les représentants du secteur donc de paludisme. VIH/SIDA pour voir comment nous pouvons avoir les priorités adaptées. Donc, si tuberculose dispose de priorités, malaria 8, VIH 12, donc il faut voir comment tout ceci pourrait être donc intégré dans les 20 domaines prioritaires d'intervention qui seront
envoyé en annexe donc à l'équipe de rédaction de ces priorités. Les priorités doivent aussi capter donc la question du renforcement des systèmes communautaires. Renforcement des systèmes communautaires, il faut aussi adopter donc un cadre donc d'engagement. Il ne faut pas avoir des engagements ou ces dialogues au niveau de la base seulement, au niveau de la capitale seulement. Il faut s'assurer qu'avec les ressources limitées que nous disposons, il faut avoir donc les séances hybrides, tout en s'assurant que pour ceux qui ne se trouvent pas au niveau des capitales et les marginalisés sont inclus dans ces dialogues. Il faut aussi identifier donc quelle est la lacune des programmations et les défis liés sur l'accès, l'abordabilité, la disponibilité du service de qualité pour soit tuberculose, paludisme, VIH/SIDA. Il faut qu'on utilise donc les données secondaires des sources nationales, régionales et mondiales. Parce que souvent, nous avons des interventions vraiment, vraiment fortes. Quand on nous demande de fournir les preuves, les données, on ne les a pas sur nous. Donc, si quelqu'un vous demande, est-ce que vous avez obtenu ces données du niveau national et régional, global ou mondial, on n'arrive pas à identifier cela. Il faut aussi donc recommander les priorités pour les populations vulnérables, les systèmes donc communautaires et la santé liée, les priorités liées donc à l'équité, droits de l'homme et d'autres liées donc aux barrières liées au genre. Donc, à la diapo suivante, ici, nous avons la question de la participation au niveau des équipes de rédaction et comment donc mener le plaidoyer, influencer donc les priorités, les interventions et les budgets donc pour tuberculose. Donc, les activistes donc de tuberculose doivent être donc impliqués dans la science de rédaction de priorités au niveau pays. Donc, les membres donc elle était membre donc de ces équipes donc de rédaction, les partenaires techniques et tous les hommes membres, y compris le Fonds mondial, doivent s'assurer qu'il y a l'inclusion. Et s'il n'y a pas d'inclusion, il faut avoir donc des explications. Par exemple, l'inclusion donc des priorités dans les demandes de financement. Normalement, on les inclut parce que nous sommes en train de faire du bruit, mais c'est comme si vraiment ils ne sont pas priorisés. Donc, il faut avoir un financement suffisant pour financer nos interventions. Et puis, il y a aussi le choix donc approprié des partenaires et des mises en œuvre des interventions. Nous avons vu que nous avons des organisations qui sont en train de mettre en œuvre certaines interventions au nom des autres. Et cela n'a pas vraiment d'impact si nous avons les partenaires de mise en œuvre appropriés ou idéal, certainement que nous allons avoir donc une réussite là-dessus. Il y a aussi à suivre, à veiller que la participation donc au niveau donc des TRP, du comité TRP, la question donc de voir que pendant la phase donc d'élaboration ou d'octroi des subventions, nous allons avoir beaucoup de discussions avant la signature donc de ces subventions. Nous allons avoir certains points qui seront supprimés, d'autres qui seront rajoutés. Donc, c'est très important pour nous de voir qu'au-delà des soumissions que nous allons faire, au-delà de la date limite de soumission des demandes, il faut suivre pour voir si les commentaires donc du panel technique de revue ont été intégrés. Donc, il faut avoir un représentant pour voir donc les réunions clés qui seront tenues après la soumission. Donc, il faut qu'on soit impliqué dans les délibérations qui vont suivre, et certainement cette allocation. Nous avons donc une composante qui nous vraiment excite de notre participation pour s'assurer que nous avons la priorisation qui va répondre aux attentes et aux besoins de la communauté. Il faut aussi être impliqué dans la séance donc définitive pour s'assurer que nos priorités sont aussi priorisés. C'est quelque chose qui arrive parce que souvent on écarte donc nos priorités. Donc c'est comme ça qu'on finit par ne pas avoir donc une bonne connaissance du processus. Et quand on verra la mise en œuvre, on se demande mais pourquoi on n'a pas de l'argent pour la réduction des stigmatisations alors que ce sont
des points qui ont été donc supprimés après la soumission. Donc, nous avons besoin de partenaires donc de mise en œuvre donc idéal ou approprié pour la réussite des processus de mise en œuvre. Donc, quand on parle donc des activistes, donc des plaidoyers qui sont là pour le processus après la soumission, donc ils font qu'on essaie de lutter pour le remplacement donc microscopique. Il faut aussi voir comment nous pouvons donc mettre en échelle donc les extraits et les tests moléculaires. Il y a aussi la question de dépistage périodique et l'élimination donc les hésitations TPT, l'élimination de stigmatisation et aussi la question de l'accès donc aux outils donc d'accès. Alors, les interventions clés que nous devons prioriser pour éliminer donc les barrières donc liées au genre, donc quand on parle des services liés aux soins donc à la tuberculose, il faut nous avons donc les TB les évaluations TBCRG et les plans d'action qui ont été donc élaborés par les partenaires Stop TB. Donc, il faut s'assurer que ceux-là sont considérés. Et si ceux-ci n'existent pas, il faut qu'on les élabore. Et puis, nous avons la question donc de l'évaluation, donc de stigmatisation du tuberculose. Il faut qu'on priorise les informations, la disponibilisation des informations qui vont nous permettre donc d'éliminer la discrimination liée au tuberculose. Nous avons donc le partenariat Stop TB qui dispose donc un livret, donc directive sur la formulation donc des messages et l'autre livret qui s'appelle What's Matter. Il faut développer donc le modèle et les cartescopes pour suivre donc les violations des droits de l'homme, donc des populations vulnérables et clés affectées par la tuberculose. Ceci va nous permettre donc de travailler autour donc de ce qu'on appelle donc One Impact Framework for Community Monitoring et les plans d'action liés donc à l'évaluation donc à la stigmatisation des personnes affectées par la tuberculose et sur appuyer l'établissement donc du groupe Intelligence, le groupe de travail sur la tuberculose et puis renforcer l'autonomisation de la communauté donc à la tuberculose à travers donc le processus donc Know Your Rights, Legal Literacy et travailler avec les prisonniers et les gens qui travaillent donc dans les mines et tous ces gens donc affectés par la tuberculose. Donc, je vous donne juste quelques points que vous pouvez donc, poser les opportunités qui existent en termes de nos priorités. Alors, donc, des diagnostics et soins. Donc, comment est-ce que nous pouvons autonomiser les communautés affectées par la tuberculose? Est-ce que nous pouvons donc identifier les cas, mener les investigations, les capacités, l'organisation et la question des technologies et la numérisation, donc la conformité, les activités aussi qui vont promouvoir donc l'adoption des services. Il faut que ceci soit adopté par les populations clés. La question donc des soins pour VIH, SIDA, TB, COVID-19 et toute autre donc épidémie émergente. Pour le renforcement donc du système communautaire, il faut prioriser donc le renforcement des capacités de leadership, le développement de leadership pour la société, des organisations de la société civile, pour avoir donc les organisations donc gérées par les populations clés, les femmes et les personnes donc handicapées et les raisons donc qui doivent être renforcées pour la durabilité, les priorisations donc des modèles de plaidoyer et de recherche et s'assurer aussi que nous avons l'engagement de communauté, les liens et la coordination pour les populations clés à travers donc les trois maladies. Donc, quand nous en parlons donc des outils, donc CRG, nous avons les outils qui ont été donc développés par Stop TB Partnership pour appuyer donc CRG. Nous avons donc le protocole de planification de l'action de l'évaluation donc de communauté donc de tuberculose et des droits des gens. Nous avons donc les outils donc d'évaluation des organisations. Nous avons ce qu'on appelle One Impact Community Land Monitoring Application Framework. Nous avons ce qu'on appelle donc le cadre donc de suivi communautaire. Nous avons donc les estimations donc des
tous ces outils, ou même les quatre scores, donc, y compris donc les TB, guidance, qui vous oriente dans la demande d'appui. Il faut avoir tout cela. Sinon, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup Maureen pour cette présentation formidable. Et Wilson, donc, je pense que je vais passer donc à l'intervenant suivant, Javier. Salut, salut, salut. Donc, Javier, donc, 35 ans donc d'expérience dans le travail avec les communautés, avec les mouvements, donc les gens vivant avec le KPH, les populations clés, et sont donc qui ont eu un résultat positif donc par rapport au BCD. Donc, ils travaillent donc dans le domaine donc des droits, donc la santé sexuelle et reproductive, et membre de conseil donc de Fonds mondial. Se focalise sur donc les services du paludisme et puis il est là pour donc travailler avec nous. Donc il est vraiment un professionnel de communication, de formation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Merci. Merci Amanda pour ces explications que nous venons de recevoir sur les nouveaux donc aspects donc revêtus donc de ce cycle du monde des solutions de financement. Donc moi je vais me focaliser sur d'autres aspects et je pense que c'est très important de dire à tous les participants ici et à d'autres donc parties prenantes sur le processus donc le processus donc de NFMK. Nous avons des nouveautés, nous avons des nouveaux documents, des nouvelles politiques, des nouvelles approches et les notes d'information sur le cash. Et il y a besoin donc de vraiment suivre la nouvelle stratégie donc du Fonds mondial 2023-2028. Et ce n'est pas au hasard qu'il y ait beaucoup d'engagement de communauté parce que l'objectif global c'est de servir donc les besoins sanitaires et communautaires. Donc et nous avons donc pas mal d'informations à partager avec vous sur le VHCD. C'est vrai que nous avons donc le cadre statistique qui existe, mais il faut voir comment nous pouvons donc avoir les contributions qui renforcent notre compréhension et qui après donc sur la communauté et comment balance ou comment le pouvoir donc maximiser donc les questions de genre, les droits de l'homme. Ceci est très important parce que ça sera le premier 3 ans. 3 ans, je sais pas, nous allons avoir 8 ou 9 cycles donc les financements et nous, en tant que communauté, nous allons essayer de rendre personnel et traduire cela en réalité, donc les ambitions et les aspirations. On tenu dans notre cadre stratégique. Donc, Maureen et mes prédécesseurs, donc, on parlait du poids, mais du point de vue, donc, tuberculose, VIH. Donc, il y a beaucoup, donc, de nouveautés. Si vous pouvez, je pourrais les appeler comme ça. Nous avons les politiques, nous avons les instructions. On annexe, hein, qui sont très bien définis, donc c'est l'annexe donc dans la lettre d'allocation, mais il faut les comprendre. Parce que si cela reste sur papier, alors que c'est l'accord qui va orienter donc à votre interaction avec nous, le leadership donc de ce système est composé donc des gouvernements qui stigmatisent, discriminent et criminalisent donc les populations affectées, surtout pour VIH/SIDA, TB et paludisme. Alors, c'est pas cause du paludisme. Donc, si on a dépend d'eau, on va certainement rater notre stratégie. Et parlons donc de VIH, il faut aussi voir et reconnaître le fait que nous avons un grand écart causé par COVID-19 en termes donc des
toute donc, activité qui était prévue. C'est vrai que toute question interventionnelle donc, à la santé compréhensive va être affectée par la COVID-19. Donc, il faut vraiment qu'on rattrape donc, les opportunités perdues. Nous avons les discussions en cours au niveau donc, du Conseil d'administration de Fonds mondial pour parler donc, de la nouvelle stratégie. Et c'est comme ça que ces nouveautés ont été appuyées. Alors, c'est le secrétaire qui propose ces nouveautés en tout cas. Et le comité stratégique et d'autres initiatives là, comme le groupe des conseils techniques et d'autres membres du conseil ont voulu qu'on communique davantage sur ces politiques et ces nouveautés. Et nos communautés doivent donc utiliser ces informations dans l'élaboration des projets et les demandes de financement. Donc, c'est très important pour nous de point de vue donc au Fonds mondial. C'est ce que nous avons donc l'attention entre donc les aspects politiques et techniques. Si nous parlons des pays donc à moyen de revenu et où ils se trouvent en termes de nos priorités, il est clair que toute information sur les personnes donc affectées par VIH, le niveau donc des épidémies, quand on parle de VIH, les populations clés, parmi les populations clés. Mais ceci n'est pas traduit en autorisation et l'allocation budgétaire ou des subventions. C'est vrai que les bailleurs disposent de leurs propres priorités et politiques. Donc, souvent, quand on parle de CCM, ça aussi, c'est vraiment géré par le gouvernement. Mais quand on parle des questions techniques, et ce n'est pas juste une question de proposition qui pourrait être donc élaborée au niveau pays, avec la participation des communautés et de la société civile, et ceux qui sont affectés par les maladies, comme Maureen vient de le dire d'une manière exemplaire. Il faut associer ces communautés au niveau du panel donc technique de revue. Normalement, c'est groupe technique donc chargé des revues va supprimer cet emploi et c'est comme ça qu'ils vont créer donc les lacunes et comme ça donc beaucoup de choses autour de nos agendas ou le site de notre communauté et les droits de l'homme, ce sont des choses qui seront donc soulignées par ces groupes, mais ce n'est pas tous les pays qui vont profiter du programme qui vont donc les permettre de tacler ces questions qui nous sont vraiment importantes. Donc là, souvent nous avons des propositions qui sont rejetées, mais ce n'est pas toujours. Mais comme je me parlais de l'exercice à long terme pour les formulations des recommandations, je pense qu'il faut avoir un mécanisme qui va reconnaître donc l'appropriation pays des priorités différentes, mais certainement qu'on va donc développer les recommandations. Il faut nous dire comment on peut estimer le nombre de personnes transgenres qui aimeraient avoir PrEP dans un certain pays. Si vous voulez demander de faire cela, voilà, nous avons d'autres recommandations comme celle-ci. Mais ceci n'affecte pas la mise en œuvre. Nous savons très bien que nous avons aussi à remplir et renouveler le financement donc, de ce fonds. On essaie de voir si nous pouvons donc mobiliser les communautés qui allaient donc s'engager, hein, de contribuer donc à renouvellement donc de ces fonds, mais si j'utilise la métaphore, c'est l'engagement donc par le Royaume-Uni et l'Italie, je pense que là, nous avons beaucoup plus donc les ressources qui avaient été promis, mais tout ça pour voir que ceci donc sera donc donné donc aux bénéficiaires du processus de CCM. Nous avons donc ces défis hein, que nous connaissons. Et nous avons le financement donc catalytique. Et on ne sait pas très bien comment donc, ceci pourrait affecter donc, les subventions multiples.
Nous savons très bien que nous avons les pays où ce type de subvention donc fonctionne très bien. Quand on parle de population clé, il faut vraiment qu'elle la pousse. C'est un mot que nous avons certains pays qui ont criminalisé ce groupe, mais il faut voir comment nous pouvons appuyer nos activistes et nos groupes qui sont en train donc, de lutter pour les avoir. Vu qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour le financement donc catalytique et les initiatives stratégiques, c'est très important pour vous de donc, participer dans vos dialogue pays et dans les réunions de vos systèmes pour s'assurer que vraiment vous voulez fournir les fonds qui va vous permettre de s'assurer que ce que Randa et Maureen viennent de dire, les choses dont vous avez besoin, c'est l'engagement des communautés et la question donc, de travailler donc, au niveau de la communauté. Il faut que ce soit reflété dans votre demande de financement. Donc, il faut vous focaliser sur votre poids d'entrée, sur votre communauté, et comme ça, vous n'allez pas devoir à dépendre donc du financement politique pour pouvoir faire ce travail. J'ai aussi à dire que quand on parle donc de pays, donc un meilleur revenu et dans un contexte différent, et donc la même chose avec les priorités. Il faut donc comprendre donc RSSH. C'est vrai que nous nous focalisons plutôt donc à tout ce qui est donc VIH, paludisme et tuberculose, mais cette question de renforcement donc des résiliences des systèmes, ça vraiment c'est qu'il faut travailler donc autour de la PRP va certainement s'attendre à ce que pour parler de ce point, il faut voir comment les systèmes donc communautaires seront renforcés dans le cadre donc de cette composante donc RSSH. Maintenant, nous sommes donc au niveau de la mise en œuvre. C'est ce que la société civile va faire son travail, mais il y a besoin d'être impliqué donc le dépistage, l'autodépistage et les traitements. Donc, ou les soins donc simples pour les gens donc qui ont séropositif et la société civile et l'engagement donc sanitaire au niveau de la communauté etc. Il faut qu'on les fasse comprendre donc ce point-là. Si vous n'êtes pas membre donc de votre CCM, il faut s'assurer que vos les représentants de CCM sont appuyés si vous avez besoin donc de notre appui et nous contacter parce qu'on s'attend dans quelques jours qui viennent. Nous allons donc prendre des décisions sur le financement. Et quand on parle donc de dernière semaine de janvier, il devrait donc tout finaliser. Nous avons un mois donc pour mener les consultations avec les groupes différents au niveau de vos pays, tout ça pour s'assurer que vous allez développer donc un engagement bâtiment avec les autres, avec les groupes. Donc, nous avons connu aussi l'OMS et l'OMS qui sont là pour vous aider au niveau pays. Vous avez besoin donc d'appui technique. Nous avons certainement donc des aspects différents qui ont été expliqués par Maureen. Nous savons très bien que nous avons donc les partenaires donc, techniques qui ne sont pas vraiment adaptés à non. J'ai dit déjà qu'il faut s'assurer que les travailleurs donc communautaires sont associés et pour les pays, il faut essayer de donc, soumettre une demande avec les notes. Donc, c'est votre opportunité, il ne faut pas avoir peur. Donc, vous allez vous relancer à nouveau pour voir ce que vous pouvez gagner. Donc, les CCM, ce sont donc les bénéficiaires principaux. Les consultants vont élaborer la proposition et ils savent très bien élaborer donc la proposition. Pas il y a des années, mais moi, je n'aurais pas besoin
Essayer d'approcher donc de travailler avec les consultants. Je pense qu'il faut vraiment voir comment on peut essayer de mener le conflit d'intérêts. Donc, on parle de la technique, donc aider le système, et le système principal va devoir donc vraiment tout faire pour qu'on travaille pour donc, bien. Donc, identifier la barrière, donc les annexes et sur à tout présenter cet après-midi. Au niveau des différents, quand on parle de la rédaction, mais moi je le dis toujours, bon, donc, Serger, l'intervention, la représentation, on dit il faut le faire. Il faut le faire. Si vous voulez le faire. Ici, vous allez élaborer une recommandation avec le mot il faut, ça veut dire là, ça devient un peu contraignant. Donc, il faut mener les discussions et ce n'est pas le Fonds mondial qui va demander les pays de considérer de l'intervention CIRG. Donc, les engagements donc, de communauté, donc, une fois les approches, ce n'est pas une question de. Vous voyez, ce sont des choses exigées de pays différents. Ce sont les principes à respecter. Voilà, ça c'est très important parce que souvent, on a vu au niveau du conseil d'administration et dans les discussions au niveau national, dans les séances organisées par la plateforme Serge, cette discussion de choses obligatoires donc à capter. Et donc, à nos gouvernements qui commencent à criminaliser certains de nos communautés et les populations clés. Donc, il ne faut pas dire que la proposition du pays vous bloque de proposer certaines interventions. Donc, il faut vraiment rendre une réalité. Si vous allez donc accéder à votre système et participer dans votre pays respectif, c'est le pays qui va donc envoyer le feedback IRP. Et comme Olène vient de le dire, s'il vous plaît, il faut parcourir des documents, il faut travailler ensemble, il ne faut pas gaspiller le temps. Vous savez très bien qu'après Noël, il faudra préparer pour donc, la rédaction donc, de la demande de financement avec donc, vraiment une très, très, très bonne appréhension de ces facteurs qu'on vient de demander et de montrer. Nous avons les pays, donc, on voit des développements qui sont présents dans ce lien, donc pour tous ces pays qui sont donc dépendants des interventions du gouvernement, s'il vous plaît, il faut cette opportunité pour engager ou demander l'engagement politique du gouvernement par rapport donc au financement de vos interventions. Nous reconnaissons le fait que le Fonds mondial demande toujours donc les données donc des. Et nous savons que nous avons des lacunes là-dessus, le gouvernement ne dispose pas donc à ces données. C'est vrai que le gouvernement souvent cache les statistiques réelles parce que nous avons donc des politiques donc. Voilà, c'est vrai que nous aussi nous avons fait un peu de notre recherche. Donc, c'est très important de voir qui va payer pour l'appui technique. Là. Parce que souvent, l'appui technique et doit être donc adapté aux communautés. Les populations clés. Mais il faut savoir que nous avons donc l'argent pour vous appuyer dans ce processus. Donc, il ne faut pas le voir. Puis attendre, juste s'asseoir en attendant donc, que l'agent donc, vous éteint. Il faut lire et comprendre les documents. Il faut aussi arranger. Donc, ou s'accorder avec votre représentant au niveau du système. Il faut passer bas avec ces gens-là. Il faut appuyer donc votre représentant CCM. Si jamais nous avons donc un groupe de travail qui va développer donc la position avec les autres parties prenantes, il faut vraiment bien organiser vos représentants. Il faut les finir avec ces documents. Je vais m'arrêter là. Et voilà, on va clôturer. Et comme ça, on va le faire. Donc, nous avons juste quelques minutes. Nous n'avons pas de questions sur le volet questions-réponses actuellement, mais peut-être que nous allons les recevoir. Mais j'invite vos questions aux panélistes. Comment
Ravi dit, donc il faut vraiment parcourir, essayer de comprendre les informations, les notes donc qui sont donc en annexe pour les toutes donc demandes de financement pour le volet VIH, tuberculose et paludisme. Donc il y a quelqu'un qui a demandé si nous allons traduire les diapos. Oui, nous allons les traduire, mais on ne va pas vous promettre là maintenant. Et j'espère que nous allons aussi pouvoir donc partager donc l'enregistrement donc des interprétations donc en français, espagnol et en langue russe. Donc c'est la première fois qu'on fait donc d'organiser donc un webinaire multilingue. Et nous allons essayer de partager toutes ces choses avec vous. Est-ce que vous pouvez repartager le lien? Si vous aimeriez participer dans le webinaire sur l'établissement donc des cours, vous avez parlé donc de ce webinaire là. Donc on va repartager ce lien là. Est-ce que nous avons un panéliste qui aimerait dire quelque chose d'autre avant qu'on ait clôturé la séance, vu qu'on n'a pas de questions? D'accord. Donc, je vais donner pour dire au revoir. Merci beaucoup d'abord d'être venu et nous allons vous envoyer les informations donc par email. Merci beaucoup d'être venu et restons en contact pour des informations additionnelles. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'aurait dit quelque chose? Non. OK, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Au revoir.